Jum den den jam be yung la sha sa lo kong ge lo de dim nye ten nye tara nam da rab sara ve chi nye dung ge chi xie zhe xie nye je tu kara le mam zhen ni kong da si be chun ri ma ri min zhe dung ren yu gu chi nye chun zhe Je suis un homme. Tom John Drove Lama Shagi Yoru Rikam Savi Mendru Dambe Su Remi Lamji Loburu Chama Jung Deshin Kujin Drebu Terzebe Yongze Lama Jibra Che La Andu Chudon Chujin Nelu Manro Vare Chishin Sugne Chimbe Yishe Je Roso Yi Lai Kunga Padra Va Rikbidu Je Shala Shagi Lasso, tene, tachin number so, samba shonchu chodo, tu jeparumbuch sal tam ne, tambechu sero nang. So. Donc, s'il vous plaît, écoutez l'enseignement attentivement après avoir généré l'esprit d'éveil. Donc, parmi les cinq sous-parties qui composent l'explication de la méditation de Vipassana, aujourd'hui, on continue donc avec l'explication de la troisième sous-partie, celle qui s'appelle la catégorisation selon la nature, c'est-à-dire la nature de cette méthode appelée Vipassana. Vipassana étant donc le fait d'acquérir une vision de différents aspects, en particulier l'aspect de ce que sont véritablement les objets de connaissance et l'esprit qui les connaît. Donc, ici, comme cela a été expliqué, il y a trois méthodes fondamentales, des méthodes Yevani. Yeah, that really la talk to you. No,
chitang yewa sum go sum ere mare ta yewa ten de de sum go wa kange yewa sum ni no tan da ta tri chun ne go go sam mare nam par ye ma rap tu nam par ye ba la sum ere go sum ba ngo rap tu yewa ne is get da la de man so de nam rabdu yewa ne oh korangi title re ya rabdu yewa tella sumpe desin sumpa gi mingde e ma desin bag me mare je korang la number yewa ki check rabdu number je pa ki ni go sum je tengen zen de sum yung do wa da lak tong gi ngo wo la rabdu yewa so Donc il y a le titre de cette troisième sous-partie sur les cinq. Donc cette troisième sous-partie s'appelle la catégorisation selon la nature. C'est-à-dire la nature de Vipassana. Cette méthode ou ce type de méditation est, en ce qui concerne sa nature, Si. Ye singe de danda ya. Ngo vo ge mon tu chena. Ma de ta te nga ra ni kha san de kwa ni chö ge nge ke ja go gu me de nge chü ke ja go gu me de. Chene da dang po ra. So in ta. Donc en ce qui concerne hein, cette catégorisation, il y a la première partie de cette catégorisation. Et là, il s'agit de la méthode qui permet de déterminer différents aspects, à la fois au niveau des objets extérieurs et de l'esprit qui les connaît. Donc, comme cela a été expliqué auparavant, grâce à la pratique de Vipassana, ou grâce à l'entraînement à Vipassana, en fait, Vipassana est une méthode qui permet de connaître des aspects de façon plus approfondie. Si on compare cela à ce qui peut être accompli grâce à la méditation de Shamatha et ses méthodes. Par conséquent, c'est grâce à Vipassana, la connaissance supérieure qui connaît ces différents aspects, que l'état d'esprit mondain est remédié. Grâce à Vipassana, l'état d'esprit mondain peut être dépassé. Donc c'est la différence entre ces deux types de méditation. Vipassana
et shamatha. En ce qui concerne vipassana, lorsque vipassana est pratiqué correctement, sur la base de cette pratique, le pratiquant peut aller au-delà du monde. Alors que la méditation de shamatha et ses différents niveaux d'accomplissement sont tous des états d'esprit mondains. Néanmoins, il s'agit d'états d'esprit constructifs, des états d'esprit positifs et vertueux. Mais il ne s'agit pas d'état d'esprit au-delà du monde. Et ceux qui accomplissent les plus hauts niveaux de ces états d'esprit mondains peuvent prendre de très bonnes renaissances. Ils peuvent prendre de très bonnes renaissances dans le monde, telles que, par exemple, dans le domaine de la forme ou du sans-forme. Néanmoins, les niveaux d'accomplissement qui peuvent être accomplis grâce à la méditation de shamatha ne permettent pas à l'individu d'atteindre la libération des renaissances dans les existences cycliques. Alors que sur la base de la méditation de Vipassana, l'état d'esprit mondain peut être remédié et donc dépassé, et ainsi la libération des renaissances dans les existences cycliques est obtenue. Et quelle est la raison pour laquelle on peut atteindre la libération des renaissances dans les existences mondaines grâce à Vipassana? En fait, c'est simplement parce que la méditation de Vipassana remédie à la notion d'un soi au niveau de l'individu et au niveau des choses autres que l'individu. Et un individu est constitué de cinq constituants psychophysiques, de cinq agrégats. Et en ce qui concerne l'état d'esprit mondain, il y a la notion d'un soi en lien avec ces différents agrégats. Ce qui emprisonne cet individu dans les existences mondaines, du fait que l'individu prend renaissance encore et encore dans les existences mondaines. Et en ce qui concerne les cinq skandhas ou les cinq agrégats, quatre d'entre eux sont immatériels et
un des agrégats est matériel. Donc il y a les phénomènes hein, qui sont constitués de matière. Et en ce qui concerne ce groupe de 5, il s'agit de l'un d'entre eux. Et les 4 agrégats restants sont immatériels du fait que les 4 agrégats restants sont différents fonctionnements de l'esprit. Et donc ils ne sont pas constitués de matière. Et en ce qui concerne ce que l'on appelle phénomènes extérieurs, les objets de connaissance extérieurs, tout autant qu'ils sont, l'état d'esprit mondain voit un soi ou une identité dans chacun d'entre eux. Donc, en ce qui concerne ce qui a été expliqué en bref hier dans le contexte de l'absence de soi, si l'on considère cette méthode, la focalisation sur l'absence de soi, dans le contexte hein, des objets de connaissance externes, grâce à cette méthode, il devient clair pour le pratiquant que les objets de connaissance externes, tout autant qu'ils sont, sont ce qu'on appelle de simples apparences qui n'ont aucune essence ou aucune identité, qui ferait qu'ils aient une réalité véritable. Et donc, le pratiquant va voir que les objets de connaissance extérieure, tout autant qu'ils sont, ne sont pas des entités réelles, solides ou uniques. Les objets de connaissance externes, tout autant qu'ils sont simplement ce que l'on appelle de simples apparences. Et cela est déterminé grâce à la méthode hein, qui est présente ici. Cet aspect particulier, l'aspect cet aspect hein, c'est le fait hein, que tous les objets de connaissance externe sont de simples apparences. Et comme cela a été expliqué auparavant, il faut pour cela utiliser l'examen et l'analyse hein, et appliquer l'examen et l'analyse au niveau des objets de connaissance externes.
If the practitioner Et si le pratiquant est capable d'arriver à la conclusion que tous les objets de connaissances externes, tout autant qu'ils sont, sont libres de réalité véritable. La notion de la réalité de ces objets va être remédiée. Le pratiquant réalise que sa façon précédente de voir les objets de connaissances externes étaient erronés. Et ensuite, il y a le phénomène qui voit cela ou qui connaît cela, l'esprit lui-même. Et encore une fois, grâce à l'examen et à l'analyse, le pratiquant arrive à la conclusion que l'esprit qui connaît, que donc il arrive à la conclusion que l'esprit qui connaît n'a pas également de réalité véritable. Il est sans essence, insubstantiel et irréel. Donc, si l'on considère un pratiquant débutant de cette méthode, au départ, dans le cadre hein, de l'observation et de l'examen des objets de connaissance externes, une fois que le pratiquant a donné naissance à une connaissance définitive du fait que les objets externes sont de simples apparences, à ce moment-là, sa notion de la réalité des objets externes va cesser. Et c'est le but hein, de la méthode en question, c'est-à-dire hein, de permettre aux pratiquants de dépasser ce qui est réfuté. Et dans ce cas, il s'agit de la notion d'une réalité véritable dans les objets de connaissance externes. Et une fois qu'il voit qu'il n'y a pas une telle réalité, alors il sait que les objets externes sont de simples apparences et ainsi il dépasse cette notion. Où il fait cesser cette notion.
la so ti tin nan xin yu jin luo yi dan du de ne ta jie dang ne luo ti ngo dan bar ma tu ba ti ji ha ko na ten ko re za wo ju le ga ja dang kon sa ke da ti yang me ro do wa ren. Ensuite, le pratiquant continue et là, donc, il va examiner et analyser l'esprit qu'il connaît. Et le but est le même. En ce qui concerne l'état d'esprit mondain, il y a la notion ou l'idée que l'esprit est une entité unique et solide, une réalité véritable est vue au niveau de l'esprit qui connaît. Néanmoins, donc le pratiquant ici donc grâce à l'examen et à l'analyse peut obtenir une connaissance définitive du fait que l'esprit n'a pas de réalité véritable. Et une fois que cette connaissance définitive est obtenue, le pratiquant va être capable de voir que l'esprit est en fait sans essence, insubstantiel et irréel. Là, ça, ta dignité, ça, non? Ta gossum de garbore, son arténé, samba gossum de tenzins. Donc, c'était un récapitulatif des quatre types de vipassana qui ont été expliqués hier. Et la deuxième partie dans cette catégorisation, c'est ce qu'on appelle les trois portes. Et ces trois portes, c'est principalement le fait, c'est principalement donc des samadhis ou des engagements dans des états de méditation stable, alors que les quatre types de vipassana qu'on a vus auparavant se déroulaient principalement sur la base de l'examen et de l'analyse. So here. Et donc ici, les portes, c'est en fait le fait de passer la porte du chemin de Vipassana, où le pratiquant a obtenu une base qui lui permet de s'engager dans des états de méditation stable, différents types de samadhi, simplement grâce à ce qu'il a accompli précédemment, grâce à l'examen et à l'analyse. Donc, en fait, son état d'esprit maintenant donc est doté de la connaissance définitive du fait que ni les objets de connaissance externe ni l'esprit lui-même n'ont de réalité véritable. Et avec cela comme base, il peut s'engager dans différents types de samadhi, différents types de concentration méditative. Donc, on a dit que le temps de la vie est un peu plus long.
Et le premier des la première des trois portes, et la suivante, et donc premier samadhi qui constitue la première porte, c'est le samadhi qui provient de désignation. Et il a été donc mentionné hier et expliqué en bref hier. Donc, quelle est la désignation sur laquelle on se focalise dans ce contexte particulier? Donc ici, en ce qui concerne le samadhi qui provient de désignation, en ce qui concerne une procédure correcte dans cette pratique, ici donc on considère un pratiquant qui a acquis la vision du fait que les objets extérieurs et la connaissance elle-même sont dépourvus de réalité véritable. Et par conséquent, l'absence de soi est l'aspect sur lequel il se focalise ici, dans le cadre du samadhi dans lequel il s'engage. Grâce aux méthodes précédentes, le pratiquant a obtenu une connaissance définitive du fait que les objets de connaissance et la connaissance elle-même sont vides de réalité véritable. Donc la désignation absence de soi s'applique aux deux catégories. Et le pratiquant a vu ou connaît maintenant d'une manière définitive que la vue d'un soi au niveau des phénomènes est erroné. Et puisqu'il a une connaissance définitive de cela, il est capable de se focaliser sur l'opposé, l'absence de soi. Et c'est de cela qu'est constitué ce samadhi. Le samadhi qui est appelé celui qui provient de désignation. Et lorsque le pratiquant reste de façon égale dans cette connaissance de l'absence de soi, Marais
There is Il n'y a pas d'intérêt à se focaliser sur des choses autres que l'absence de soi. Cela serait contre-productif. Donc, le samadhi qui doit être cultivé par le pratiquant de ce niveau, c'est de juste donc rester dans sa connaissance de l'absence de soi. Au niveau des objets extérieurs et au niveau de la connaissance elle-même. D'autres focalisations, le pratiquant ne doit pas s'engager dans d'autres focalisations. Si un pratiquant ici pense à peut-être qu'il y a des objets de peut-être qu'il y a des objets de méditation supérieurs, quelque chose de plus avancé. Il y a beaucoup de pensées qui peuvent se produire chez un méditant qui n'est pas encore accompli, qui pourrait faire surface ici. Peut-être que sa connaissance de l'absence de soi n'est pas si définitive et donc le méditant peut penser à la possibilité de se focaliser sur autre chose. Et cela aurait pour effet Cela en fait causerait en fait la perte hein, chez l'individu de la focalisation sur l'absence de soi. Et donc ça serait en fait contre-productif. La cause pour cela peut être simplement le fait que le pratiquant n'est pas encore suffisamment accompli dans la méditation de shamatha. Et par conséquent, son état d'esprit n'est pas aussi calme qu'il devrait l'être lorsque l'on s'engage dans cette méditation où l'on se focalise hein, sur l'absence de soi. Et donc, des pensées à propos de ceci ou cela s'élèvent. Et donc, ça peut être une autre cause hein, de perturbation au niveau de ce samadhi où la focalisation et l'absence de soi en lien avec les objets extérieurs de connaissance et la connaissance elle-même. Et ensuite, il y a la seconde porte qui est appelée celle qui provient d'une recherche approfondie ou d'une investigation approfondie. Et je ne sais pas si j'ai mentionné ça aujourd'hui, mais ça a été mentionné hier. En fait, cette catégorisation hein, provient du sutra qui éclaircit la pensée. Donc c'est la même source que précédemment. Quand
Now. Et pratiquant qui fait des efforts pour se focaliser sur l'absence de soi, mais qui n'arrive pas à se focaliser en un point pour différentes raisons. Parce que ce pratiquant n'est pas capable de se focaliser continuellement en un point, dans son esprit, des pensées à propos de ceci ou cela vont s'élever. Il peut y avoir des pensées à propos de signes de développement dans la méditation, tels que l'idée de rencontrer un Dieu suprême en personne, d'imaginer qu'une prophétie est réalisée en lien avec ses progrès futurs, et ainsi de suite. Une personne qui n'a pas complètement réussi à obtenir une connaissance stable et définitive de l'absence de soi peut donner naissance à ce type de pensée et à d'autres types de pensées également. La raison pour laquelle cela se produit, c'est que sa connaissance définitive de l'absence de soi n'est pas très stable. C'est une connaissance qui est fugace. Et donc, je suppose que cela signifie qu'il y a quelques instants ou des périodes de temps courtes où il y a une connaissance claire de l'absence de soi. Néanmoins, donc sur la base hein, d'avoir sur la base de l'utilisation du samadhi précédent, celui qui provient de désignation, néanmoins, ce pratiquant n'a pas réussi à amener cela au niveau d'une stabilité parfaite dans le cadre hein, de la connaissance de l'absence de soi. Et donc, le samadhi en question est interrompu par des pensées à propos de ceci ou de ou cela qui font surface dans l'esprit du méditant. Nye pada shawe che shir tu tenam bepa wu song dre dwa. De kawa doko. Ma wu tena dwa. Ngar ma nye pa te chiko.
ngar ma mange pa mangi ngar mangi pa ngi par save sirtu tenam ba pa wo tenam ba pa da dirik pa na so ya so Et donc, afin de remédier à cela, le fait qu'on n'a pas réussi à obtenir une connaissance stable et définitive de l'absence de soi, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Donc, que fait le pratiquant ici? Afin d'obtenir cela, une connaissance stable et définitive, ce que fait le pratiquant, c'est qu'il utilise le raisonnement afin de déterminer ce qui n'a pas été compris formellement. La raison pour laquelle il y a cette instabilité, c'est que le pratiquant auparavant n'a pas été capable d'obtenir une vision complète de l'absence de soi. C'est une vision partielle de l'absence de soi. Et cela provoque en fait l'instabilité qui est présente dans son esprit. À peine. Zangbun, hoang, zangbun, topa, chersona. Tene, ataya, poche, ta, non, chersona. Ta, on est là, kiazi, chon, somme, non, la benzin, chou, chou, toi. You see, if we. Et si l'on prend l'exemple qui a été donné auparavant, d'un pratiquant dont la connaissance définitive n'est pas encore stable, du fait qu'il n'a pas encore obtenu une vision complète de l'absence de soi, et uniquement une vision partielle de l'absence de soi. Comme cela a été dit, dans l'esprit de ce pratiquant, des pensées à propos de ceci ou cela vont faire surface, et si l'on continue donc avec l'impression que le pratiquant A, lorsqu'il rencontre, si on continue donc avec l'impression de rencontrer le Yidam, la raison pour laquelle le pratiquant est distrait ici, c'est que sa réaction à ce qui s'est manifesté, c'est-à-dire le Yidam qui est en face de lui, le problème c'est qu'il voit cette manifestation comme étant réelle, comme ayant une véritable réalité. Donc ce qui se passe, c'est qu'il laisse tomber la focalisation authentique pour cette focalisation autre. Peut-être parce que il imagine qu'il a accompli un très haut niveau et qu'il est donc un pratiquant fantastique puisqu'il rencontre le Yidam en personne, mais en fait cette manifestation est une simple apparence, c'est une image. Comme il a été dit, tous les objets de connaissance qui sont perçus comme extérieurs sont insubstantiels et irréels. Donc, la manifestation du Yidam en face de lui n'est pas vraiment importante, parce que cette manifestation n'est pas réelle. Néanmoins, le pratiquant échoue à cet égard et réagit en pensant qu'il est en face de quelque chose de véritablement réel. Et
Et donc, du coup, il change sa focalisation. Au lieu de rester sur la focalisation de la vacuité, il pense que ce yidam est réel. Et donc, en fait, il s'agit ici d'un état d'esprit mondain. Ce n'est pas différent de l'esprit mondain qui voit une table comme étant réelle et solide. C'est le même type d'état d'esprit. C'est juste que l'objet est différent, mais l'état d'esprit qui voit une réalité véritable est le même. Chéke pena pe namka tabu ju gamshu sungu dosu. Pena namka tabu ta gam dedu chenpa mungu lungu dosu. Sem nanga. Ya, tati neche shilo le pena namka tabu ju gona namka le chenpa mungu yuwaru wasu. Ngen nanga gam jeb dedu yon namto mungu lungu dosu ta karche kuresu. Ta pe nga ta tuen chik sengenge ngurji yu. Morangi pe nga ya shu re. Re mila re pe sem la pe nga song yo saro wa. Morang la pe nga. Pe nga ngoto nang yo pe nga ke go ne. Nam ka taku de chik re. Chik re. Ore, ten de ma yin ba shi. Na de ma yin ba ye re. Ta re re nu shu na shu se chik nyim ki ku ki te. Te ta sem yi la nam to mung bu koro yin gu do ta kar che wu rus. Tene mila re pe song re. Tīn sīkēndē, shōng yōn nām kēng ngōndō shōng gārē, tēm yōn nām kēng ngōndō tēm rō gārē mā tō. Shōng... Tēl dāku tsā nā mā jās, shō shō sōng gārē. Nām tō sīkēndē dzō, zōngbī tōkpa yī nā yī, ngēmbē tōkpa yī nā yī, Shāng yāng sēmī nē shōng gu yā rēs. Sēmī lē chō wā rē? Rē, ngā yāng tēr ngā rō gu rēs. O, tā lē. Tā lē shō nā. Now, Et donc, Kenpo Rinpoche donne un exemple d'un pratiquant sur le chemin, qui est un disciple du grand yogi tibétain Milarepa. Pour décrire cela, ce qui vient d'être expliqué. Et en fait, il y a une région au Tibet qui s'appelle Nyanam, et donc à l'époque de Milarepa, dans cette région vivait un groupe de disciples femmes de Milarepa. Et une de ses disciples s'appelait donc Paltarboum. Et Milarepa lui a donné des instructions sur la méditation de l'absence de soi. Et il lui a exposé cinq exemples. Et Kenpo nous donne un des exemples, parce que si... Parce que s'il fallait lister les cinq exemples, ça serait trop long. Et donc, Milarepa lui a donné les instructions suivantes. Il lui a dit que le véritable
que l'esprit véritable est comme l'espace. Il est vaste, il est illimité, il n'a pas de limite. Et je suppose que cela revenait à une description de l'absence de soi, de l'esprit. Et bien sûr, hein, il y avait plus d'instructions ici, mais comme Kenpo l'a dit, on n'a pas le temps de voir tous ces détails. Et donc, Paltarboum a ensuite commencé à pratiquer hein, les instructions qu'elle avait reçues de Milarepa. Et apparemment, de temps en temps, elle était perturbée par l'apparition de beaucoup de pensées dans son esprit. Et donc, elle est retournée voir Milarepa et elle a rapporté cela à Milarepa et elle lui a dit, c'est comme si l'espace vaste et illimité est rempli de nuages. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour remédier à cela? Et Milarepa a répondu, considère le fait que les nuages s'élèvent ou apparaissent dans l'espace et disparaissent dans l'espace. Et de la même manière, les pensées apparaissent dans l'esprit et disparaissent ou se dissolvent dans l'esprit. Ne t'accroche pas aux pensées lorsqu'elles se manifestent. N'attache pas une grande importance aux pensées qui font surface dans ton esprit. Et Paltarboum a pris vraiment ses instructions à cœur et a continué à pratiquer et à la fin, elle a et à la fin, elle a obtenu un très haut niveau de réalisation. Et il est dit qu'elle a il est dit qu'au moment de la mort, elle est partie dans une terre pure. Et il est parfois dit qu'il s'agit d'un niveau de corps d'arc-en-ciel. Et comme cela a été expliqué, les objets de connaissance externe sont
simplement l'union de l'apparence et de la vacuité, et l'esprit qui connaît ces objets est simplement l'union de sa nature vide et de la connaissance illuminante qui connaît cette nature vide. L'union de la vision qui connaît la vacuité ou qui connaît sa propre vacuité. Et un pratiquant qui se familiarise vraiment avec cette vue et qui au final et qui au final donc amène cette contemplation à sa complétude, cette personne donc va réaliser la vacuité du corps, de la parole et de l'esprit. Et à ce moment-là, le corps et l'esprit, dans l'esprit hein, réalisé du pratiquant, sont sans essence, de la même manière qu'un arc-en-ciel n'a pas de substance ou d'essence. Ensuite, il y a le troisième samadhi, celui qui provient de l'examen individuel ou de l'analyse individuelle. Et ici, l'acte de demeurer de façon égale dans un état méditatif concerne, pardon, je vais changer l'ordre de la phrase. Cela concerne la post-méditation. Donc il s'agit d'un pratiquant qui, dans sa pratique de la méditation, a la capacité de rester dans un état méditatif stable, hein, un samadhi. Et la troisième porte concerne l'état d'esprit durant la post-méditation. Et ici, et cela est expliqué de la façon suivante. Le point de départ de cette explication, c'est l'état d'esprit qui a vraiment obtenu une connaissance définitive et commencer hein, cette connaissance hein, concerne l'absence de soi. Et donc en post-méditation, et en post-méditation, afin de ne pas être emprisonné dans un état d'esprit mondain, le pratiquant continue l'analyse de ce qu'il expérimente. Et donc, il continue à se focaliser sur l'absence de soi. Mikpa ma shorwa chi. Pen na nga lamin dhin zon ne,
Il y a l'exemple des tantras bouddhistes ici et de la l'exemple de la quatrième classe de tantra, la classe insurpassable de tantra. Et ici, en ce qui concerne la post-méditation, le pratiquant est censé maintenir la vision du monde éveillé du Yidam en post-méditation. Donc, ces deux instructions, celle des tantras bouddhistes où le pratiquant maintient le monde éveillé sur lequel il méditait pendant la méditation formelle, ça il doit le maintenir en post-méditation. Et la seconde instruction, hein, ce qui avait été médité, hein, pendant la méditation dans le contexte de Vipassana, là il faut également le maintenir en post-méditation. Donc ces trois portes qui ont été enseignées par le Bouddha Shakyamuni, comme c'est rapporté dans le sutra qui éclaircit la pensée. Et les instructions dont on a parlé en bref, qui concernent les tantras bouddhistes, la quatrième classe de tantra, la classe insurpassable de tantra, au niveau du sens, il n'y a pas de différence entre elles. Et dans la quatrième classe de tantra, le but, hein, des instructions clés, c'est d'amener le disciple à comprendre que la notion du soi de l'individu et la notion du soi dans les phénomènes sont erronées. Et qu'en fait, il n'y a pas de soi ou d'identité dans aucun phénomène externe ou interne. Et donc, bien sûr, dans la formulation, là, on va trouver des différences entre les tantras et les instructions telles que celles qui sont expliquées ici dans le trésor de connaissances. Mais au niveau du sens, il n'y a pas de différence entre les deux systèmes au niveau de ce qu'ils enseignent ou de ce qu'ils expliquent. Dans les tantras, il est mentionné le monde. Il mentionné que le monde est pur par nature. Et que les êtres sensibles dans le monde sont au final
ne sont au fi pas des êtres confus, mais égales par nature au Yidam. Ils sont de la nature du Yidam. Donc ils ne sont pas, au final, ils ne sont pas confus, mais ils sont de la nature du Yidam. Et en ce qui concerne ces instructions, le pratiquant auquel on donne ces instructions doit être capable de comprendre ces instructions clés. Et ce que Kenpo Rinpoche veut montrer ici, c'est que les instructions clés, ce n'est pas juste une situation où il y a un gourou et un ou plusieurs disciples qui sont présents et où le gourou dit ce qui vient d'être dit par rapport au monde qui est pur par nature et aux êtres sensibles qui sont purs par nature. Il ne s'agit pas juste du gourou hein, qui informe les disciples de cela. Il s'agit en fait le disciple en fait doit acquérir la connaissance, la compréhension de ce que ces mots signifient. Il doit vraiment comprendre la signification hein, des mots que le gourou emploie quand il explique ses instructions clés, lorsqu'il explique ses instructions clés. Si un disciple accepte juste les mots parce qu'il a juste confiance, sans vraiment penser aux implications des mots utilisés, alors ça pourrait être vu comme une situation où le gourou essaie de tromper le disciple. En fait, le disciple hein, n'a pas vu le sens profond de ce qui lui a été enseigné et il peut penser, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Si tout dans le monde extérieur et si ceux qui habitent le monde en question sont vides d'une véritable réalité, alors on peut parler d'une pureté par nature. Mais la personne qui écoute, le disciple, doit vraiment comprendre le sens de ce qu'on lui enseigne. C'est pourquoi, au niveau hein, des trois portes, la deuxième et la troisième porte en fait, le Bouddha a enseigné ces deux samadhis afin que les disciples puissent obtenir une connaissance véritable de l'objet de méditation et des instructions. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Zegwanie, tonne, niebe, danam, pomdzie, jegana, że balop, czuwa, jesigbe, cole, dolwar, tati, żona. Au revoir, à demain.